Alors, on y va. Bravo. T'as vu, maîtresse, regarde. T'as vu, j'ai trop peur. Voilà, bravo. Aujourd'hui, mes poules. Va leur donner à manger aux poules, toi. Allez, vas-y, je te donne la main. Non, vas-y, toi. T'as vu, t'as réussi, hein. C'est balèze, c'est trop fort. C'est bien. Voilà, il faut oser tendre la main aux copains, regarde. Et il y a même une rouge, une blanche et une grise. Tout le monde vient manger dans ta main, c'est pas beau ça? Tiens, allez. Pourquoi t'as le cœur qui va? Tu es plein d'émotions là. C'est trop fort, tu y arrives, t'as vu? Oh là là, le grand coffre. Ah, tu sais, la vie, c'est pas toujours facile, il y a des fois, mais il faut l'affronter. Et puis après, on est content. On va faire manger dans la main. Il faut se mettre à la hauteur de l'individu qui est devant nous. Et on tend la main. Ils vont manger dans la main. Ah, t'es pas fou, mais on va nous becter, l'animal. Ah, oh, mais on y va. Gégé, tu sais, ça pince un petit peu, mais ça fait même pas mal. Oser, on va faire des choses comme ça. Et être le premier à tendre la main à quelqu'un qui fait peur et qui a une sale gueule et qui est soi-disant méchant. Et y trouver une satisfaction. Tout doucement, bravo. Là, t'es bien. Oh là 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 là. Oh là là, la belle histoire. Ouais, la boule. Oh, écoutez. Oui, il veut ramener chez moi. Vous l'avez ramené chez toi? Oui, la poule. Oh là là, deux mecs qui se pointent. Le mec de la DAS et Jeunesse Sport. Monsieur Coutances vient fermer votre établissement. Eh ben, je dis, j'appelle le maire. J'ai pas besoin du maire, j'ai autorité pour fermer mon établissement. Mais qu'est-ce qui va pas? Vous n'êtes pas aux normes. C'est quoi être pas aux normes? Vous avez un sanitaire qui est fait pour 100 adultes ou 60 enfants. Alors, je sais pas pourquoi que les enfants, ça prend plus de place que les adultes, j'ai pas compris. J'en sais rien. Et parce que c'est vrai qu'on est vachement différents. On n'a pas du tout la même couleur de peau, on n'a pas la même chevelure, on n'est pas habillé pareil, on mange pas pareil, on n'a même pas le même bon Dieu, on n'a rien de pareil. Hein. J'ai repéré, il y a un truc à peu de choses près, mais on fait pareil. Ben, c'est le pipi caca. On fait à peu de choses près pareil. Il y a deux ou trois petites variantes, mais la base est la même. Et quand on est derrière la porte des chiottes, là, hein, et ben, on sait ce qui s'y passe, on connaît les bruits, et on sait le bien que ça procure. Ça fait pas ça derrière la porte d'une église, d'une mosquée ou d'un temple. Hein, ça. Mais derrière la porte des chiottes, ça fait... On se comprend. Ils s'assoient sur un tronc d'arbre et on discute le coup. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a qui sortent. Ceux qui arrivent disent c'est votre tour. Les autres disent on a le temps, on a entamé une conversation, on la continue. Ça devient un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Toc, toc. Le respect, le partage, la tolérance, ça s'exerce ici, monsieur. Ça s'exerce. Si je fais ce que vous me dites, mettre un chiotte autant que de gamin, chacun va venir sans penser aux autres. On va créer l'individualisme. Alors ce que vous appelez vulgairement un bloc sanitaire, monsieur, par rapport à mes objectifs éducatifs, c'est un outil pédagogique formidable. Les enfants et les gens qui venaient à la ferme étaient enchantés, heureux. Ils repartaient, il y en a plein qui pleuraient tout ça parce qu'ils avaient passé un moment extraordinaire. Et on se dit, merde, c'est notre quotidien, là, quand même. C'est vrai. C'est bizarre. Donc, ça doit être bien, en fait. Ce qu'on vit, ça doit être bien. Mmh. Et donc ça, le premier été, et quand on est revenu au collège après, donc toujours, voilà, pas fier de nous, tout ça, pas de coiffure, tout ça. Ils nous ont dit, waouh. Et là, on est arrivé au collège, et on était les filles de Gégé. Et on a été mis sur un piédestal. Alors, pas par tout le collège. Non, restons honnêtes. Je te connaissais pas. Hein? Je te connaissais pas. Oh, ah, tu étais là quand même. Oh, c'est beau ça. par plusieurs gars qui nous paraissaient être des caïds, des fous, des. Oh, ouais. Voilà. Et qui venaient nous voir en disant oh, j'ai passé la meilleure semaine de mes vacances de ma vie chez toi. Ah ouais. Bon. Et du coup, ben là, ça a commencé à nous donner confiance en nous. Et puis, ben voilà, c'est le début de l'engrenage. Et... À partir d'un moment, on s'est dit, fille de la ferme et fière de l'être. Voilà. Et ça, on a mis du temps à se le dire, mais... Oh, mais c'est toujours notre slogan.
Il y a quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure de la nourriture bio. Ah, c'est moi, Candice. C'est toi? Alors, c'est quoi de la nourriture bio? Bah, c'est une nourriture sans produits chimiques. Sans produits chimiques. Pourquoi? Et surtout aussi, les gens, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Et les gens, ils sont bien payés. Bien payé? Non, c'est pas. Si. Ça doit... Par exemple, ils doivent pas casser les forêts d'Amazonie, des choses comme ça. Ah, par exemple. Il n'y a pas que les pesticides. C'est-à-dire qu'il faut aussi respecter la nature. Et être d'accord avec ce qu'ils nous racontent, mon copain? Non. Pourquoi t'es pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord pour ce qu'ils soient payés plus cher. Bon, alors le bio, alors apparemment, bon, peut-être qu'on est payé plus cher, je sais pas. Mais quel est l'intérêt de donner de la nourriture bio à l'animal? C'est mieux pour que l'organisme. Bah, il y a moins de produits chimiques. Il va moins attraper le cancer. Il y en a pas du tout. Les cochons vont moins attraper le cancer. Ah bah, disons. Mais c'est plus cher. Un gars que je connais bien, un gars qui habite Bobigny, son souci c'est d'essayer de faire sortir les habitants, de leur faire voir autre chose, un autre univers. Et cette année, il me dit au printemps, il me dit là, j'ai plusieurs familles, mais ils ne se connaissent pas entre elles obligatoirement, mais je voudrais qu'ils se connaissent dans un autre contexte que le supermarché. Faudrait que ce soit chez toi. Ok. On met ça en place, toc, toc, ça va être là. Oh, et un petit coin pour faire la prière, forcément. Les autres, ils sont ici. Impeccable. Il me dit, on sera tout seul ce week-end-là, le week-end de l'Ascension. Eh bien, je dis, non. J'ai mes copains de Seine-Maritime qui viennent comme d'habitude. À l'Ascension, ils viennent tuer deux cochons. Ah ouais? Alors, il me dit, vous tuerez le cochon quand? Je dis, jeudi matin vers 10h. Dans ce camp-là, j'emmènerai mes gens promener dans les chemins, dans le coup de ville, pendant ce temps-là. Comme tu veux. Là, le week-end de l'Ascension arrive, tout le monde arrive. Voilà. Mes braves mamans musulmanes avec leurs enfants, ils me disent, c'est formidable chez vous, vous êtes gentils, je le savais, mais c'est beau chez vous, on est bien, et vous accueillez tout le monde, toute culture, toute couleur. Ah ben, je dis forcément, bien sûr. Et comme j'étais sûr que mon pote leur avait pas dit, dites-vous, vous êtes là aujourd'hui, et demain, j'ai des copains de Seine-Maritime qui viennent tuer les cochons. Ils viennent tuer les cochons? Ben, oui. On pourra assister? Ben, je dis oui. Il me dit, on a vu maintes et maintes fois égorger des moutons, mais jamais des cochons, on aimerait bien voir ça. Je vais voir mes copains de Seine-Maritime, dites demain, on a des spectateurs. Il dit, t'es profond, on raconte pas de conneries. Je dis, si, ils viennent. C'est trop voir. Le lendemain matin, il y avait effectivement 25 personnes qui étaient là à regarder. Alors je leur dis, on n'est pas des novices, on fait ça comme il faut, on va leur faire voir qu'on sait faire ça, nous. On prend le cochon, toc, toc, manque de peau, le cochon se décroche. Je dis à mon pote, tire la corde, le tracteur, tire. Les femmes levaient les jupes, elles levaient la corde, et qu'est-ce qui se passe? Le deuxième cochon s'était borré, il courait après les bonnes femmes. Enfin, c'était une histoire pas facile. Le soir, j'étais invité à manger dans les deux groupes, moi. Alors je dis, je vais commencer chez les musulmans, parce que... Et après, j'ai les copains, je vais avoir un coup de rouge après, forcément. Je m'organise, là. J'étais chez les musulmans, j'ai pas eu le temps d'aller là-bas, les autres arrivent. Alors, les gars de Seine-Maritime, des chants de marins, des chansons à boire, des chansons cochonnes, on n'était pas tout à fait dans le même régime, là. Et comment ça va se passer? Et petit à petit, ça s'est arrangé, chacun a chanté, nickel, sa chanson. D'un seul coup, ça faisait oh, chacun le respect, le partage, la tolérance, c'est opéré ici. Et le lendemain soir, on a recommencé cela. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et le troisième ou le quatrième jour, les copains de mes durs de Seine-Maritime, on va dire au revoir aux autres femmes, effectivement. Et puis là, il y a eu mon téléphone, il y a eu un petit film. Ma fille, il y a une chose que je suis sûr, oui, j'en suis sûr, ça se passera jamais sur un parking de supermarché, tout ça.